Eh bien, la nuit a été calme sur la capitale centrafricaine. Pourtant, on écoute encore des tirs d'armes légères. D'après les leaders de Sérica, c'est pour l'objectif des opérations de sécurisation de la ville. Et donc, les éléments de l'armée française sont aussi là. Ils participent à cette opération avec les éléments de la force multinationale en Afrique centrale. Il y a eu date de pillage dans la capitale centrafricaine, mais les leaders de la Sérica ont promis de remettre aux civils leur bien volé. Et donc, pour l'instant, on voit quelques cadavres dans la rue, mais d'après toujours les leaders de Sérica, il s'agirait des éléments, des voleurs qui ont été tués parce que consigne a été donné de ne pas toucher aux biens de personnes. Et donc, pour l'instant, la capitale centrafricaine, les activités n'ont pas repris, il n'y a pas de circulation. Quelques éléments de la Sérica circulent avec leurs voitures armées, ils sont là encore dans le coin de la rue. Mais concernant l'administration est restée fermée, ça ne sont pas comme si c'était un lundi. Et donc, les écoles aussi sont restées fermées. Bangui donne l'image d'une ville morte.